Bave wè pou blan, tande yon sosi zini, sosi zen chicken nou. Là, je vais faire mon épice haïtien. C'est une épice que tu peux utiliser pour assaisonner tes repas, ta viande. Je le mets dans tout. Hein. Nous, les haïtiens, on met ça dans tout. Ok? Mettez dans tout le bagage. Je fais l'épice à ma façon. Tu peux mettre normalement ce que tu veux dedans. Tu fais comme tu veux. Tu mets ce que tu aimes. Alors, pour faire ton épice, tu as besoin de... Bien sûr, il faut de l'ail, des poivrons, un oignon. Comment on dit ça? Green onions? Oignon blanc ou oignon botte? Oignon botte, du persil, de l'huile, un peu de citron, du maggi. Et voilà, tu l'assaisonnes comme tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Et ça te fait un épice que tu peux utiliser pour assaisonner ta viande, mettre dans ton riz, toutes les sauces que tu veux faire. Moi, je le mets dans tout. Les haïtiennes nous connaissent. C'est en question d'épices, tu vas gagner épices la caillou. Ma comprendre non, pour gagner épices la caillou. Parce que épices, c'est la base des bases. Pour gagner épices la caillou. Je le mets dans ça pour bien conserver. Donc, ça, c'est vraiment une marinade. Par exemple, là, je vais faire le poulet. Donc, pour assaisonner le poulet, je vais mettre cette marinade dedans. Et c'est ça qui va donner le goût. Tu mets ce que tu veux. Tu veux mettre de la ciboulette, de la coriandre. Et après, on met tout dans un mixeur blender pour blender toute bagaille. On va commencer. Et après, tu le mets dans ton petit bocal hermétique. Et ça se garde au frais. À chaque fois que tu as besoin d'assaisonner ta viande ou faire à manger, ben, une petite cuillère. Hop, dans ton repas et ça donne du goût. Est-ce que je vais rajouter du vinaigre? Normalement, tu peux rajouter du vinaigre. Ça, c'est du citron, ça? Oui, pas que ça. Tu veux du citron frais, chérie? Tu prends ton petit blender. On prend du citron. Mais il n'y a pas de citron vert? On avait un seul dernier. Oh non, 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 j'ai pas de citron vert. Comme j'ai pas du citron vert frais, je vais mettre. Du citron comme ça. Voilà. Je mets mon Maggi, le vegetable one. Végétal. Maggi végétal. Tu bords. Attends. Et oui, il faut d'abord se laver les mains, bien sûr. Ma fille et moi, nous nous sommes bien lavés oui, les mains. Oui, avec du savon. Voilà. Donc, bah, là, ça sentit ici. Attendez. Je vais mettre du magie comme ça. De notre végétal. Et après, normalement, au fur et à mesure, tu goûtes et puis tu vois qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut rajouter. Voilà. Je vais mettre un comme ça aussi. Tous les magies après. Oh, notre magie. Tu là, c'est le plus dur à ouvrir. Oui, mais ça, c'est le magie de gingembre. On ne met pas le magie de gingembre. Voilà, fais un petit bout. Voilà. Vas-y, je te dis stop. Allez, 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 allez. Voilà, c'est bon. Je touche. Du citron. Ça, il faut pas le manger comme ça parce que c'est pas bon. C'est l'assaisonnement en fait. Après, on va vous montrer comment on fait. On met les citrons là-dedans. On les bien kébé dans le frigidaire. Ensuite, on va rajouter. Je fais pas tout en même temps parce que moi, mon blender, il est petit. En plus, il n'est pas hyper puissant. Donc, tu mets dans le blender au fur et à mesure. Je vais mettre le poivron. Le poivron. Bah, c'est pas bon comme ça parce qu'il faut pas le manger comme ça. Tu mets beaucoup d'ail. Hein. On veut du goût. On veut pas être fat. Tu vas pas t'asseoir de prendre l'ail. On met tes oignons. Un oignon. Laisse le tranquille, chérie, il fait ce qu'il veut. L'oignon vert là. Après, il me manque du piment. J'ai pas le piment. Piment végétarien non plus, il me manque ça. Persil frais. Mais pas du persil en boîte. On va la couper nous-mêmes. Acheter où? Au marché. Moi, je rajoute aussi du paprika. Vas-y encore. Comme ça? Oui. C'est bon, c'est bon. Du poivre. Mais pas beaucoup parce que t'as. Non, mais vas-y, parce que moi j'aime que ça pique. Toi aussi. N'oublie pas que tu es moitié africain. Elle a vidé tout le poivre dedans. L'herbe de Provence. Ça a piqué maintenant. Mais ça remplace le piment. Je vais mettre juste un petit peu d'estragon. J'ai pas du romarin frais, mais j'en ai. Vas-y. Pas beaucoup de romarin. Parce que ça a un goût quand même. Tu peux rajouter, tu sais déjà, ton goya. Tu vas rien goya à la caillou, ma goya. Mais moi, comme j'essaie en ce moment de pas trop manger salé et des trucs comme ça. Cette fois-ci, je n'en mets pas. Tu n'en mets pas du tout. Après, tu peux mettre ton épice goya, comprendre. Ben, ça, c'est citron. On va juste mettre un tout petit peu de ça parce que là. Ok, c'est bon. Parce que Robin a laissé mes aiguilles. Commence à blender et au fur et à mesure, tu rajoutes ce que tu veux. Attends. Simplement. Donc là déjà par l'aspect je peux voir qu'il manque beaucoup de choses. On va continuer à rajouter nos ingrédients petit à petit. Mais pourquoi papa a quitté les branches? Il ne faut pas mettre les branches. Et la marque a coupé, c'est mon mari. Excusez-moi. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de persil. Tu vois? Vous allez rajouter le oignon. Tu remets ton ail. Franchement, il manque du piment. Mais j'ai mis beaucoup de poivre, ça. Oui, mais c'est pas ça. Le poivre, ça n'a pas le goût du piment. Le piment, ça donne un goût qui est vraiment bon.
là, je vais commencer à goûter. Et voir si tout c'est bien blindé là. Tu sens cette odeur là, ça c'est l'odeur que j'aime sentir. C'est bon. On va rajouter d'autres choses. Ça pique. C'est normal, t'as vidé toute la bouteille de poivre dedans. Mais c'est normal, ça coule dedans. C'est pas de ma faute, parce que t'as mis le côté où on met beaucoup. Non, mais c'est tout. Il y a l'ail aussi qui donne le côté piquant. Et aussi l'ail qui pique aussi. Bah oui, ça pique. J'ai pas rajouté de sel parce que tous les maggis là, salés. Elle est trop sec. On a fait tout seul, mais on n'a pas regardé de vidéo pour la faire. Mais c'est normal, il y a maman, elle sait faire son épice. C'est très simple à faire. En fonction de ce que vous allez faire, ça va prendre une couleur de comment vous le souhaitez. Moi, j'aime bien comme ça, mais j'aime aussi quand c'est vert, quand il y a beaucoup de piercing. Tu veux goûter? Du piercing. Piercing? C'est le piercing frais. C'est pas du piercing. On va vérifier tout ça. On va regarder si tout le maggi a bien fondu. Ça pique. Je vais rajouter la bonne consistance c'est que je veux. Regardez, c'est pas trop liquide. C'est bon. Aussi, je trouve très bon. Bon. Je vais mettre ma petite mixture. On ferme et on laisse. Et on garde au frais notre petit épice qu'on a fait à deux. Et on va commencer à faire à tuer. Et là, je vais assaisonner la viande. On a notre petit poulet qu'on va faire aujourd'hui. Pour assaisonner maintenant, vu que tu as ta petite mixture que tu as fait avec moi, tu mets ça dedans. Season the chicken. Tu laisses reposer ça avec ça dedans. Ton poulet, il va être bien assaisonné. Moi, comme je suis extra jamalée, je rajoute encore par-dessus un petit peu. Mais tu vas plus vider parce que tu veux toujours le pot. Paprika, un peu d'estragon. Allez, on fait nous comme ça. On va voir ça. For season chicken blanc. Comprends? For season, vous entendez? Malabar a mangé chicken blanc. Vous les laissez mariner pendant quelques heures. La viande va bien imprégner le goût en épices. Et vous allez avoir un chicken avec du bon goût. Ok, je vais pas avoir des chicken blanc. Bavé ouais, pouille blanc, attendez, sans seasoning. For season chicken. Faut mettre épices là-dedans. Mettez des épices dans votre vie, les gars. Je vous le dis. Et maintenant, je vais faire le repas de ce soir.